Bonsoir. Martin Kamemim, c'est toute une histoire. L'histoire d'un rêve qui se réalise et très vite devient une passion. La passion du journalisme dont l'apogée est atteint lors des matchs de la Coupe du Monde de football, l'Afrique du Sud 2010, est confirmée au Brésil en 2014 en passant par la Coupe d'Afrique des Nations, Gabon 2012. C'est le sommet pour se passionner, bien formé aux commentaires des matchs à Canal Plus et CFI, soit dit en passant, c'est une la palissade. Martin a également fait ses écoles ou ses classes, ici même à STV. Ses performances lui ont valu des récompenses. Avril 2017, au Ascom Prize, la cérémonie qui récompense les meilleurs acteurs du domaine de la communication et du marketing. Il reçoit le prix du meilleur journaliste sportif du Cameroun. 14 ans après avoir été sacré Globe d'argent du meilleur journaliste de sport au Globe d'or. L'événement qui à l'époque couronnait les plus méritants des acteurs du sport sur le terrain et les hommes de médias couvrant le sport. Le 20 mai 2017, jour de la fête nationale du Cameroun, le président de la République qui salue son talent et son œuvre, lui à 44 ans, décerné la médaille de chevalier de l'ordre de la valeur. Le sésame lui est remis ici à Douala même par le gouverneur de la région du littoral. Bien avant cela, Martin Kamemim, depuis 7 ans déjà, partage son savoir et fait découvrir d'autres jeunes talents du micro à travers la radio dont il est le promoteur, la première radio thématique en Afrique centrale, Radio Sport Info. Celle-ci se fait également remarquer par des awards qu'elle organise chaque année. La personnalité que je reçois ce soir dans le mythique fauteuil rouge a célébré ce 29 mai 2019 ses 15 ans de mariage. Mais ce que beaucoup ne savent pas de lui, MCM pour ceux qui l'appellent intimement, en bas âge a été frappé par la poliomyélite, ce qui a fait de lui une personnalité à mobilité réduite. C'est dans ce cadre qu'il vient d'initier un projet pour des personnes qui souffrent de divers handicaps. Le sujet sera grandement abordé dans cette émission. Martin Kamemim, bonsoir. Bonsoir Dipita Tango, bonsoir à tous les téléspectateurs de STV, bonsoir à tous les Camerounais, les valeureux Camerounais qui me regardent ce soir, et bonsoir à tous ceux qui ont sacrifié de leur temps ce soir pour essayer de comprendre pourquoi Martin est l'invité dans cette maison que j'ai servi avec bravoure et qui m'a permis d'embrasser une carrière à l'international, parce qu'il faut dire que c'est à partir de STV que j'ai pu avoir la possibilité d'aller me former ailleurs pour les commentaires de match et éventuellement pour avoir des partenariats avec des structures autres que STV. Pour respecter nos téléspectateurs ce soir, je vais te... Vous voyez ? Ah ben moi j'ai pas de problème. Vous voyez, tutoyer, je pense qu'on a passé un très bon moment ici à la rédaction de STV. C'est vrai que d'aucuns qui ne comprendraient pas qu'on se tutoie, mais je crois qu'on est au-delà. J'aurais pu faire MCM au cousin. Oui, bien sûr. Mais je suis chez moi et je n'ai pas de problème avec les tutoiements ou les vouvoiements. Alors cela dit, félicitations pour vos 15 ans de mariage. Ah ben merci beaucoup. Merci, parce que je me suis arrêté pour dire merci à Dieu, parce qu'il y a 15 ans précisément, lorsque je me mariais, c'était pas du tout évident. J'avais un salaire de catéchiste, j'épousais une jeune fille qui avait des rêves de jeune fille, et finalement on a pu fonder une famille et rester soudés avec 5 enfants à la clé. Je crois qu'aujourd'hui on ne peut pas dire qu'on n'a pas fait notre chemin, et on avait envie de s'arrêter pour dire merci à Dieu. En réalité, la célébration de la journée du 29 était davantage liée à une messe d'action de grâce pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'on a eu comme bonheur dans ce mariage. On parlera beaucoup de football, je l'ai dit. L'opinion connaît évidemment le chroniqueur sportif que vous êtes. Elle a appris à connaître le promoteur de RSI aussi. Mais tout ceci interviendra bien plus loin dans nos échanges. Je voudrais qu'on commence par ce projet. D'ailleurs, c'est un peu le prétexte de cette émission. Le projet que vous lancerez dans les prochaines heures,
Je vais vous laisser en dévoiler les contours jusqu'à la date. Mais alors, avec la complicité de Ringando, du moins, on va revenir sur l'élément qui est prévu pour cela tout à l'heure au cours de l'émission. Eric, c'est bon? Pas encore. Eric Gando, c'est le réalisateur. On va donc découvrir la séquence tout à l'heure. Alors, cela dit, Martin, vous êtes dans un nouveau projet. Oui. En fait, il y a 4 ans, j'ai créé l'association Donnons-nous la main d'aide aux personnes à mobilité réduite. C'est une association qui est différente de toutes les autres parce que mon objectif n'est pas de regrouper des personnes à mobilité réduite. Mon objectif est de regrouper des gens qui militent pour la cause. C'est-à-dire que ces gens soient à mobilité réduite ou pas. Et donc, cette association a déposé sur la table de la Fondation MTN un projet de construction d'un centre multimédia, centre de formation multimédia pour des personnes à mobilité réduite et des personnes vivant avec un handicap. Alors vous dites depuis 4 ans, avant ce projet, oui. Qu'avez-vous réalisé déjà en 4 ans? Je veux dire, quelles ont été les initiatives menées, qui a été touchée? Chaque année, on réalise le Noël pour les enfants à mobilité réduite. À cette occasion, on remet des chaises roulantes, des tricycles, des cadeaux de Noël aux enfants qui vivent avec le handicap et aux enfants des personnes qui vivent avec le handicap. Et on a fait ça pendant 4 ans. En réalité, l'objectif était davantage de collecter des fonds pour pouvoir monter ce centre qui était notre projet ultime à brève échéance. Et lorsque nous avons contacté la fondation MTN et d'ailleurs beaucoup d'autres fondations, mais il n'y a que la fondation MTN qui a répondu favorablement il y a quelques jours en nous annonçant qu'elle était disposée à construire ce centre pour nous. Vous pouvez donc imaginer que la difficulté était de trouver en même temps l'espace, en même temps le lieu où on devait bâtir ce centre de formation. Et finalement, il y a un bienfaiteur du nom de M. Lissom Matip qui nous a offert, dans la concession qu'il a obtenue à Issinguet, un espace pour pouvoir bâtir ce centre de formation. Et donc, à partir du 1er juin, on va lancer la construction de ce centre de formation multimédia qui doit être opérationnel au plus tard en septembre. Et il faut dire que c'est dans le cadre du projet Yellow Care, le projet des employés de MTN. Parce que j'entends 21 days of Yellow Care. 21 days of Yellow Care. Alors j'entends beaucoup de gens parler, ah ouais, mais nous on ne peut pas, c'est la publicité, mais c'est pas de la pub. C'est que les employés de MTN chaque année s'arrêtent pendant 21 jours, du 1er juin au 21 juin, pour monter un projet social. Ils sélectionnent parmi les multiples projets qu'ils reçoivent. Et là, cette année, le destin a voulu que ce soit le projet de l'association Donnons de la main, l'association qui milite pour la cause des personnes à mobilité réduite. Et donc, je tenais à travers cette antenne à dire à tout le monde que lorsqu'une entreprise citoyenne décide de mettre des millions de francs CFA pour monter un tel centre, on peut parler de pub, on peut parler de promotion, mais là on n'est pas dans le cadre de la promotion, on est dans le cadre d'un acte de sociabilité, d'un acte de solidarité. Et dès le 1er juin, samedi, on va lancer à 7h, toutes les personnes qui m'écoutent à l'instant peuvent venir sur le site à Issinguet. Et d'ailleurs, il y aura des bus qui vont convoyer toutes les personnes qui voudront partir de l'hôtel Pullman sans aucune publicité pour le lieu Issinguet. Issinguet, soit dit en passant, est le lieu situé à l'arrière de l'hôtel Sawa, en allant vers la zone portuaire. Et donc, pour moi, c'est un projet de vie. J'avais 4 rêves lorsque je grandissais. Mon premier rêve était d'être journaliste. Dieu a exaucé mon rêve, je suis devenu journaliste. Mon deuxième rêve était d'être un journaliste connu. Dieu merci, je suis un journaliste parmi les plus connus au Cameroun et peut-être en Afrique. Le troisième rêve était de commenter un jour les matchs sur les grands médias internationaux comme Canal+. Dieu merci, je l'ai fait. À côté de ça, il y avait un rêve naturel d'avoir une famille et d'avoir des enfants. Mais mon rêve le plus fort était d'utiliser la possibilité ou la lumière que j'ai obtenue pour aider ceux qui n'ont pas forcément la même énergie ou la même chance que moi, de pouvoir ne pas suivre le même itinéraire de souffrance que moi et de pouvoir bénéficier de mon soutien. Donc je me mets totalement à la disposition. J'avais prévu laisser d'ailleurs le journalisme en 2017. C'était tout un projet de vie. Je voulais laisser officiellement le journalisme en 2017 pour me consacrer à
l'activité sociale parce que je croyais qu'en 2017-2018, j'aurais déjà monté et bâti ce centre. Il arrive en 2019. Ne me posez surtout pas la question de savoir si je vais laisser le journalisme, mais c'est un projet de vie, c'est un aboutissement heureux. Et je prie Dieu que pendant les 21 jours, avec l'aide des employés de MTN Cameroun, qu'on puisse réaliser ce centre parce qu'ils vont le construire, ils vont l'équiper. Et donc, En quelques secondes, qu'on passe la séquence. Je suis né comme tous les enfants, mais à l'âge d'un an et demi, j'ai été déclaré mort, frappé par une violente poliomyélite. Depuis lors, j'ai marché dans les ténèbres de la souffrance avec la lumière de mon courage, de ma volonté et de mon abnégation. Aujourd'hui, à 46 ans sonnés, j'ai touché tous les sommets de mon métier, le journalisme. Et je suis devenu pour certains un patron, pour d'autres un mentor et pour d'autres encore un modèle. Parce que disait Jean-Paul Sartre, l'essentiel n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous avons fait de ce qu'on a fait de nous. Je suis Martin Kamimine, je suis ce que vous avez fait de moi, je suis le produit de vos mains tendues, de vos sourires et de vos encouragements. Le temps est venu pour moi aussi de tendre la main à ceux qui sont dans les ténèbres de la souffrance, à ceux qui sont dans le besoin. Je rêvais de construire un centre de formation pour les personnes défavorisées et leur apprendre un métier. Les employés de MTN Cameroun ont décidé de m'accompagner dans la réalisation de ce rêve. Rejoignez-moi, rejoignez-nous. Ensemble, tendons la main aux personnes défavorisées et redonnons-leur le sourire. En un mot, en mille, on peut dire que le projet 21 Days of Yellow Case, c'est davantage, ou sur d'autres plans, la construction des salles de classe. On parle de 22 salles de classe dans 6 écoles primaires, dans les localités du sud-ouest, au nord, à l'est. On parle également de la prise en charge des scolarités des enfants des milieux défavorisés, de la plantation de 1000 arbres d'une espèce protégée à Boissa, dans la région du sud-ouest. L'équipement d'une dizaine de bibliothèques municipales et scolaires dans les régions de la Damawa, de l'ouest, du sud, du nord-ouest, du centre, du littoral et bien d'autres activités menées dans le cadre du social au Cameroun. Donc Martin, 21 jours, concrètement de quoi s'agit-il? Vous invitez les gens à venir poser eux-mêmes les parpaings du centre que vous êtes en train de construire. Vous invitez, en quoi cela va consister concrètement? En fait, il y a toute une équipe d'experts. Vous imaginez qu'une entreprise comme MTN ne peut pas faire dans la dentelle. Il y a une équipe, une entreprise qui a été sélectionnée à l'issue d'un appel d'offres en interne, je suppose. Et cette entreprise a été donc sélectionnée. C'est elle qui va monter cette structure. Sauf que pendant ces 21 jours, des personnes, des personnalités, des anonymes, des célébrités, des inconnus viennent sur le site pour témoigner simplement de leur solidarité, de leur engagement par rapport à cette cause. Et c'est pour ça que chaque jour, nous attendons sur le site des journalistes, des hommes politiques, des artistes, des Bayam Selam, des Bensi Kiner et tout ce que le Cameroun a comme couche sociale pour venir témoigner. C'est juste la présence de M. Dipita Tongo sur le site, est juste un témoignage de votre engagement pour défendre la cause et surtout accompagner cette œuvre qui sera montée. Je peux vous dire que je serai le 1er juin. Je vous attendrai avec le plus grand plaisir. Et j'attendrai d'ailleurs. Je voudrais que de toute façon les hommes de médias montrent à cette entreprise que c'est leur confrère, c'est leur ami, c'est leur frère. Et je veux les voir en masse. Je voudrais que les personnes à mobilité réduite comprennent le sens de cet acte et qu'elles envahissent les lieux dès samedi. Je voudrais que des personnalités, les pouvoirs publics puissent se dire, d'accord, on est limité par certaines choses, mais cette entreprise citoyenne, à travers Martin, est en train de nous offrir une possibilité de rattrapage. Et donc, que samedi, à partir de 7h, nous soyons nombreux sur le site, même si on est des millions de personnes. Et dans une zone comme Essengue, qui est totalement, comment sinistrée en termes de ressources, en termes d'infrastructures, c'est une opportunité également pour ses parents de pouvoir espérer que leurs enfants vont apprendre un métier.
métier, comme l'infographie, comme le montage vidéo. Et d'ailleurs, on a des contrats avec déjà des structures pour pouvoir prendre les enfants que nous allons former et des personnes que nous allons former pour des stages de perfectionnement. Alors, au 21 juin, l'infrastructure sera disponible. Qu'est-ce qui suivra après? Ce qui suivra, c'est que on va ouvrir les inscriptions. On va ouvrir les inscriptions et pendant ce temps, on va essayer de configurer, affiner les enseignements qui seront dispensés. Et en septembre, logiquement, on devra avoir la première vague. Après, avec des spécialistes, nous sommes en train de travailler sur la durée de la formation. Elle pourra être de 3 mois, de 6 mois. En tout cas, on est en train d'étudier la possibilité de donner au moins la formation qu'il faut. Et pour les personnes à mobilité réduite qui vont pouvoir s'inscrire et bénéficier de cette formation, logiquement, à la sortie, soit elles sont recrutées pour travailler pour le centre, soit il y a des disponibilités avec les SOS et les levées de fonds que nous allons faire pour les placer ou alors leur offrir un matériel minimal qui va leur permettre, à partir même de leur domicile, de pouvoir faire des travaux et de pouvoir gagner leur vie. Les tranches d'âge pour ceux qui devront intégrer éventuellement le centre? Non, il n'y a pas de tranche d'âge. C'est ouvert. Le problème, c'est qu'on a constaté l'éducation d'une personne vivant avec un handicap est la chose la plus compliquée. Je suis le parfait exemple. J'ai vu comment mon père, il a souffert pour parfois pouvoir me payer la scolarité dans les lycées. Il fallait trouver une chambre à côté du lycée. Il fallait être sûr que même lorsque mon tricycle ne fonctionne pas, je peux y aller. J'ai vu, c'est très difficile. Et c'est pour ça que je dis, l'éducation d'un enfant qui vit avec un handicap a deux aspects. Il faut avoir de l'argent et de la volonté. On peut ne pas avoir de l'argent, avoir la volonté et réussir cette éducation. Mais si on a l'argent sans la volonté, on ne réussira jamais. Et tout le monde n'a pas forcément cette volonté et cette possibilité de se battre. Et nous sommes arrivés, on a vu des situations où la plupart ne vont plus à l'école. Ils sont obligés de se mettre devant les pharmacies ou devant les feux rouges, devant les feux de signalisation pour avoir de l'argent. Pour moi, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter parce que je suis sûr que si je peux donner une formation en community management à quelqu'un qui peut administrer la page de M. Dipita et obtenir 10 000, 15 000, 20 000 au lieu d'aller se mettre en route avec les intempéries et les risques même d'accident, ce sera quelque chose de gagné. Pour moi et mon objectif, c'est de sortir ces personnes à mobilité réduite de la route. J'espère pouvoir le réussir dans un bref délai. Ça va être difficile, c'est un combat de longue haleine, mais j'espère les former. Les enfants défavorisés également seront dans ce centre. Comment on va les recevoir? On est en contact avec la délégation des affaires sociales, le ministère des affaires sociales. Il y a des enquêtes sociales qui seront menées et c'est à l'issue de ces enquêtes sociales qu'on jugera de l'opportunité de la gratuité, de l'opportunité de payer une modique somme ou de l'opportunité de ne même pas accepter des personnes dans ce centre. Un nombre cible? Un nombre, en réalité, ça dépendra de l'espace de travail, du matériel, mais on va sur des sessions de 50-50. Comme les sessions sont suffisamment courtes, il n'y a pas de problème à prendre 50 en septembre, de les libérer en décembre et de prendre une autre vague qui va être libérée en mars et ainsi de suite. Des formations précises? Formation en infographie, formation en montage vidéo, formation en bureautique, formation en community management. Après, nous serons accompagnés par d'autres structures qui proposent d'autres types de formations gratuitement et nous allons essayer d'étudier ces possibilités. Et il y a également la possibilité à très courte échéance de former des jeunes animateurs radio, des enfants défavorisés, des personnes à mobilité réduite qui pourront donc être encadrés par moi et par d'autres personnes comme vous et qui voudront bien être associés au projet. Et je dois dire que les formateurs viennent d'où? Les formateurs viennent des personnes volontaires qui sont des experts dans leur domaine et qui nous donnent leur disponibilité pour pouvoir encadrer ces enfants, ne serait-ce que dans des sessions bien précises. Avez-vous déjà essayé de faire quand même le tour de la région pour essayer de voir le dispositif dans ce domaine-là, en termes d'infrastructure, d'accompagnement, peut-être institutionnel, public ou privé? Comment ça se présente? Il y a des initiatives, je vais parler par exemple de... Vous savez, quand je parle des enfants qui vivent avec le handicap, moi je suis le parrain des enfants autistes du pavillon scolaire Chantal Biya à Bonamoussadi, initié par Madame Mélanie Bell. Je connais beaucoup de structures qui essayent de se battre, mais le problème c'est que les formations coûtent
excessivement cher. Parce que pour avoir un éducateur spécialisé, par exemple, les éducateurs spécialisés sont formés depuis quelque temps dans le centre Orchidée Home de Madame Belle. Mais pour avoir un éducateur spécialisé par heure, ça coûte les yeux de la tête. Tous les parents n'ont pas de moyens. Or, qu'est-ce que moi je veux faire avec le centre multimédia? Je leur donne des formations minimales. J'associe les experts à cette formation. Et je vous dis, on peut partir de la gratuité à un paiement d'une somme modique. Mon problème, c'est que, mon objectif, c'est que ce soit gratuit parce que je vais faire des soirées avec l'association de levée de fonds pour demander aux gens de parrainer même des jeunes qui doivent se former. En réalité, la formation peut coûter même 300 000, mais si M. Dipita arrive à parrainer un jeune, évidemment, c'est gratuit pour ce jeune-là. Et c'est dans ce type de schéma que nous voulons fonctionner. Avez-vous déjà identifié les jeunes? Je veux dire que comment ça va se faire la sélection? Vous êtes dit, vous allez vous rapprocher de la délégation. Oui, mais depuis 4 ans que je fais l'arbre de Noël, je reçois des dossiers. On remet des dossiers et j'essaye de dire à chacun de spécifier ses besoins. Je remarque qu'il y en a qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'école parce que les parents n'ont pas de moyens. Parce que n'oubliez pas que l'enfant d'une personne à mobilité réduite est exactement dans la même situation qu'un enfant à mobilité réduite. Et donc le centre est prioritairement ouvert aux enfants en mobilité réduite et aux enfants des personnes à mobilité réduite et aux enfants vivant simplement avec un handicap. Et donc, sur ces dossiers, on a remarqué des cas que nous allons tout de suite étudier pour pouvoir intégrer, mais également, c'est la rentrée scolaire, on va faire des communiqués, on va sensibiliser, on va se rapprocher des autorités de tutelle pour pouvoir avoir des enfants qui vont bénéficier d'une formation. L'objectif également, c'est d'aller chercher ces enfants chez eux pour les amener à l'école, parce que beaucoup n'ont même pas de moyens pour se payer un taxi. Et quand on parle de Saint-Guy, vous pouvez apprécier la distance. Qu'est-ce qu'on va faire? On veut avoir des partenariats, des véhicules disponibles pour aller chercher ces enfants dans leur domicile et venir les déposer au centre de formation et le soir les ramener. Alors dans l'organisation, la mise en œuvre du projet, vous êtes le lead, vous êtes la tête. Et après, comment c'est structuré? Après, c'est structuré qu'on va recruter prioritairement des personnes à mobilité réduite qui ont des qualifications dans les domaines de l'administration, qui vont pouvoir gérer au quotidien le centre, parce que moi je n'ai pas la prétention de gérer au quotidien le centre. Je suis un journaliste, je veux exercer encore mon métier. C'est vrai que je vais manager tout ça, mais l'association a des membres qui sont outillés, qui sont parfois des enseignants et d'autres types de cadres. On va essayer d'organiser cela dès que l'infrastructure est terminée, mais rassurez-vous, on a déjà commencé dans la mise en place avec l'activité de l'arbre de Noël. On a quand même une petite organisation qui peut minimalement lancer les choses en espérant d'avoir encore d'autres expertises. Peut-être pour sortir, hein, un dernier mot pour les personnes cibles, un dernier mot pour ceux qui éventuellement pourraient vous accompagner dans ce projet. Oui, moi j'attends des gens samedi, des volontaires qui peuvent manifester par leur présence une envie d'accompagner ce projet. J'attends des gens qui peuvent arriver et me dire « Martin, nous, on peut te donner des carreaux pour mettre dans cette maison. » J'attends des gens qui sont capables d'arriver sur le site et de déclencher des choses que peut-être on n'avait pas prévues. Parce que à côté du centre que les employés de MTN vont construire à travers le Yellow Care, il y a des dortoirs que nous voulons monter. Et ces dortoirs doivent servir aux enfants qui vivent hors de Douala de pouvoir venir aussi. Parce que n'oubliez pas que dans l'arrière-pays, il y a un besoin beaucoup plus accru que peut-être même à Douala. Donc nous irons chercher ces jeunes dans ces villages-là pour les amener vers la ville et on va l'héberger. On va les héberger dans un système d'internat à très courte échéance. C'est ça le projet. Donc ils doivent comprendre que si on peut finir ce centre et qu'on enchaîne tout de suite avec 2 ou 3 dortoirs, ce sera quelque chose de très important pour nous. Samedi, à partir de quelle heure? À partir de 7 heures, il y aura des bus qui vont attendre tout le monde au point de rencontre de l'hôtel Sawa et de l'hôtel Pullman pour les amener vers Essengue, qui, comme je le disais, attend des milliers de personnes et montrer à travers votre mobilisation que vous adhérez au projet et que vous dites merci à ces employés de MTN qui ont sacrifié leur salaire pour pouvoir faire ce genre de choses. On suivra tout cela, évidemment, parce que c'est d'abord du social, c'est d'abord de l'institutionnel. Même si MTN a essayé de vous accompagner, évidemment que nous, on va suivre ça de près. Aussi, notre façon de vous témoigner
peut-être au nom de tout cela, cette gratitude. Merci. Vous êtes lancé dans le projet. Et moi, je leur dis évidemment merci. Hein. C'est rare. Et c'est à souligner. Moi, j'ai participé à plusieurs Yellow Cœur depuis des années. En tant que personnalité publique, je venais couvrir, je venais accompagner, je venais associer mon image. Je suis au cœur de Yellow Cœur, je comprends. Vraiment, c'est pas l'argent d'MTN en termes de budget d'entreprise, c'est l'argent que les employés mettent à la disposition pour monter cette infrastructure. C'est pour ça que c'est immense, je leur dis merci. Martin Camus, venons-en à vos premiers amours. Évidemment que ce n'est pas l'actualité qui est rare. Ouais. Peut-être commençons par le TASS. Et le rendez-vous de ce 29 mai, où les Comores ont traîné la CAF devant ce tribunal, le tribunal arbitral du sport. Vous aurez un pronostic sur la sentence qui sera donnée dans le cadre de cette affaire-là? Non, moi, je n'ai pas de pronostic, mais je suis toujours gêné lorsque le sport quitte le terrain pour se retrouver dans des espaces qui ne sont pas le terrain. Le Cameroun a obtenu sa qualification sur le terrain. Il n'y a aucune raison, c'est une frustration totalement inutile. Après, il y a également des règles à respecter. Je ne peux pas le nier. Et les experts du droit doivent se prononcer là-dessus. Moi, je n'ai pas de pronostic parce que j'espère que le Cameroun sera à cette Coupe d'Afrique des Nations. Même si, de mon point de vue, diplomatiquement, cette affaire n'a pas été gérée avec la plus grande finesse et la plus grande intelligence, on peut procéder différemment. Les guerres qui se gagnent dans le monde ne sont pas toujours parce qu'il y a les plus forts en face et les plus faibles de l'autre côté. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui arrivent parfois à mettre les protagonistes autour de la même table pour discuter et pour comprendre. Et je crois que sur le cas du tribunal arbitral de sport, de cette affaire de Comores, on a, comme d'habitude, pris beaucoup de choses de haut. Et donc, du coup, on se dit que rien ne peut nous arriver jusqu'à ce que ça arrive. C'est le seul regret que je peux avoir dans cette affaire. Qu'est-ce qu'il a manqué pour éviter ce tribunal? Il a manqué de la diplomatie. Il a manqué... Vous savez, lorsque certains ont dit qu'il fallait, lorsque le Cameroun a été dépossédé de la CAN, porter plainte à la CAF, cette plainte n'était peut-être pas justifiée, mais elle aurait pu nous couvrir lorsque ce genre de choses arrive. C'est-à-dire qu'en se plaignant et qu'on nous traîne devant le TASS, on aurait au moins pu expliquer au TASS que on ne peut pas payer les pots cassés d'une administration qui ne nous concerne pas. Ça aurait pu être un argument de poids, mais on a choisi d'accepter des choses, on a choisi de faire une diplomatie d'acceptation, alors qu'on aurait pu être beaucoup plus offensif, amener peut-être la CAF à désintéresser et le Comore qui avait des velléités. Ils peuvent ne pas gagner, mais quand même à 3 semaines d'une compétition, qu'on soit en train d'attendre un verdict pour être sûr qu'on participera ou pas, ça perturbe évidemment les choses et c'est pas gai. Même si on a raison, c'est pas gai d'arriver à ce genre de situation. Alors on va évidemment attendre le verdict du TARS qui devrait arriver très rapidement puisque les juges l'ont précisé. Peut-être ici mercredi, y a-t-il un délai, une date précise? Non, non, mais je suis en même temps surpris que depuis justement ce 29, on n'ait pas eu quelques éléments. C'est même ça qui me donne l'impression que peut-être il y a une décision lourde de conséquences. Je ne veux pas être rabat-joie ou autre chose, mais je crois que deux jours après, on aurait quand même pu avoir deux ou trois indications. Peut-on dormir sur ses deux oreilles quand on sait que l'affaire est entre les mains de ces messieurs du TASS? Non, justement, on ne peut pas dormir sur ses... Non, je veux dire que peut-on leur faire confiance d'avoir de la hauteur, de la grandeur, de la maturité pour prendre une décision dans ce sens? Je le dis parce qu'on le sait, dans d'autres affaires, on en parlera peut-être un peu plus bas. Pour ne citer que lui, Abdourahmane Amadou a plus d'une fois remis en cause, tout au moins, souvent la pertinence de certaines décisions venant du TASS. Oui, mais en même temps, moi, je ne suis pas un partisan du droit et du juridisme tous azimuts dans le foot. Il faut qu'on arrête ça.
Il faut qu'on arrête ce juridisme-là. Le football, il se joue sur le terrain. Il faut qu'on arrive à s'organiser pour qu'il se joue. Le Cameroun a gagné des compétitions. Le TAS existait depuis des années. Il y avait ces mêmes problèmes. On ne s'est jamais plaint. On n'arrangera pas les problèmes du Cameroun à travers le TAS. Le football est une émanation d'un environnement. On ne veut pas penser qu'on va régler les problèmes du foot et on ne va pas régler les problèmes de droit d'auteur. On ne va pas régler tel problème. Il faudrait qu'on comprenne qu'on est dans cet environnement-là et que le TAS a beau prendre des décisions, on recommencera toujours à zéro. On a eu combien de normalisations, mais est-ce que le problème a fondamentalement changé? Il n'a pas changé, on est toujours en train de repartir. Donc, moi, quand vous parlez de confiance, je ne suis pas partisan du juridisme, mais donc une décision peut être juste sur le plan du droit, mais totalement mauvaise sur le plan sportif. Et c'est ça mon problème. C'est-à-dire qu'on peut arriver à une décision qui concerne cette Coupe d'Afrique des Nations qui est totalement catastrophique, pas forcément pour le Cameroun, mais même pour la CAF. Parce que n'oubliez pas que ceux qui perdent d'abord de l'argent, c'est ceux qui organisent la compétition. Si une décision exclut le Cameroun de la CAN, c'est la CAF qui perd de l'argent. Sur le terrain, de façon globale, on sait que en principe, les Lions sont convoqués pour... un stage d'avant compétition, 34 joueurs au départ, plus 3, 37 désormais sont appelés. Mais avant de détailler un peu peut-être cette liste-là, de façon générale, quelle appréciation faites-vous de la méthode Seedorf-Kluivert depuis qu'ils sont en équipe? Vous posez la question aux journalistes, aux coordinateurs des teams presse, aux patrons de médias. Vous posez la question à qui? Parce que je commence, vous avez bien fait. Peut-être ça va m'aider à... Vous avez bien fait, j'aurais fait le tout en trois. Mais ce que je vais faire, je commence par le journaliste. Oh, ouais, voilà. je commence par le journaliste. Je pose la question au journaliste. Non. Moi, je pense que Seedorf, lorsqu'il est arrivé, il a dit... Moi, j'étais partisan de qu'on ait des entraîneurs comme Seedorf. Parce que même son aura est utile pour une sélection comme le Cameroun. Moi j'adore le bling bling à côté des sélections, tous les médias internationaux en réalité qui ne voudraient pas avoir Seedorf ou Kluivert sur son plateau. Donc le dispositif marketing était là pour apporter un peu plus de lumière à cette équipe. Après, Seedorf a commencé à travailler. Je crois que son temps d'observation s'est beaucoup allongé. Et c'est peut-être ça qui est inquiétant. C'est-à-dire que lorsque on est à 3 mois d'une compétition et qu'on convoque 37 joueurs, c'est-à-dire qu'on est encore dans la logique de la présélection. Alors que normalement, lorsqu'on va à la compétition, on doit être prêt pour bâtir une tactique de guerre pour aller gagner cette compétition. C'est la seule chose qui m'inquiète. Mais moi, je pense que Seedorf a signé pour 4 ans jusqu'en 2022. Il a le temps. C'est vrai qu'on va avec le titre de champion d'Afrique, mais il faudrait parfois qu'on arrive à dire la vérité aux Camerounais tout de suite lorsqu'on recrute des entraîneurs, au lieu de les mettre en difficulté, de se dire on bâtit dans l'objectif de pouvoir avoir une ossature, une équipe solide d'ici à là. N'oubliez pas que la génération des Eto'o, Mboma et autres qui arrivent en 2000, c'est après une longue traversée du désert. Depuis 90, on ne gagnait rien. Et elle est arrivée en 2000 pour régler la mire et gagner. Et donc, on peut également... En même temps, le reproche qui remonte, c'est que l'équipe nationale, du moins, le Cameroun, en termes d'effectifs de joueurs, n'est plus une équipe qui va prendre des entraîneurs pour faire des tests, ou alors qui va en compétition pour essayer de voir si tel joueur pour tel joueur ne peut pas. Je veux dire que on est quand même en capacité d'avoir une équipe compétitive dès les premières sélections. Non, mais quand vous parlez d'une équipe compétitive... la Champions League est le baromètre des joueurs compétitifs. À une époque, on pouvait s'asseoir un soir, voir Eto'o, voir Alexandre Son, voir Rigobert Son, voir Jérémy Ndjitab, voir Pierre-Romain Lenne, voir XY. Aujourd'hui, vous avez combien de joueurs de Cameroun qui jouent à un très haut niveau? Ils sont pas nombreux. Donc déjà, je ne sais pas de quoi on parle. Dans le classement FIFA, qui est un indice de perception de l'évolution d'une équipe, à l'époque où les Rigobert Son et Samuel Eto'o étaient dans cette équipe, on était à la 11e position. Aujourd'hui, on va chercher dans des positions interminables. Ça veut dire que la santé n'est pas là. Donc, on ne peut pas estimer que
continuer à vivre éternellement sur l'histoire et dire ouais, mais on ne peut pas prendre un tel entraîneur parce qu'il n'a pas le niveau, peut-être pour entraîner les Lions, il est venu pour faire les tests. Sidoff a entraîné le Milan AC. Je ne veux pas penser que c'est un monsieur qui n'a pas le niveau pour entraîner l'équipe du Cameroun. Il a joué à un très haut niveau. C'est l'un des joueurs les plus titrés de l'histoire du football au monde. Donc je ne vois pas pourquoi, subitement, on va me dire qu'il n'a pas la compétence ou il n'a pas le niveau pour entraîner l'équipe du Cameroun. Moi, je pense qu'il a le niveau. Après, maintenant, sur le terrain, je crois que l'environnement est tellement compliqué que parfois, on peut être amené à vivre des choses, à les digérer alors qu'on n'avait pas prévu les vivre. Le promoteur de Radio Sport Info dirait la même chose que le journaliste? Le promoteur de Radio Sport Info passe le temps à dire à ces jeunes journalistes, vous devez faire votre travail de journaliste. Abstraction faite des amitiés de votre patron, abstraction faite de vos amitiés, faites votre métier et ne dites jamais ou ne vous cachez jamais derrière une carapace quelconque pour dire qu'on m'avait dit, puisque on ne vous donne aucune directive. Et que dirait donc de Sidoff et Clivert, le coordonnateur de Team Press? Malheureusement, le coordonnateur de Team Press n'existe plus. Ah, ça, c'est une annonce. Il n'existe plus parce que j'ai clairement dit à M. Njoya. Que vous avez fait Kafout, c'est Oudou Mbavon Njoya. Oui, je lui ai dit. Parce que, vous savez, moi, je viens travailler dans un environnement. J'avais discuté avec M. Happy sur. L'environnement, c'est-à-dire comment monter le service presse des équipes nationales. Parce que les équipes nationales du Cameroun n'ont pas de service presse. Lorsque j'ai discuté avec M. Happy, je lui ai dit, je peux vous aider comme consultant. Il a estimé qu'il n'y avait que moi qui pouvais implémenter ça. Après, il y a eu l'épisode de Team Press où le ministre de l'époque ne voulait pas. Et après, c'est allé comme c'est allé. Moi, je n'en voulais pas non plus. Je ne suis pas demandeur, je ne suis pas chercheur d'emploi. Alors, il s'est passé que, après, ma jeune consoeur, mon amie Lucrèce, est arrivée. Moi, d'abord, c'est une amie. Ça ne m'a posé aucun problème parce que j'étais demandeur de rien du tout. Après, on me fait savoir que, d'accord, l'organisation de Team Press telle que j'avais proposé, il faut que je sois le coordonnateur de Team Press. J'ai commencé avec satisfaction, j'ai demandé le cahier de charge, depuis je ne l'ai pas obtenu. J'ai demandé un contrat qui devait spécifier le contenu de ma mission, je ne l'ai pas obtenu. J'estime que je ne peux pas travailler dans un tel Capharnaüm. J'ai décidé de battre en retraite et de regarder les choses. Je n'ai pas encore signé une lettre de démission, mais c'est tout comme. Même si beaucoup ont eu l'impression que c'est davantage un plateau d'argent qu'on offre à un ami, oui, une connaissance. Oui, mais si je suis dans l'objectif de gagner de l'argent, je peux vous dire que je suis dans tous les stages de toutes les équipes nationales. Je suis allé dans le premier stage des U23 avec Rigo Berson parce que je voulais comprendre comment ça fonctionnait. Mais après, je ne pouvais plus continuer parce que je ne peux pas continuer sans savoir pourquoi je suis là, ce que j'ai à faire, quelle est ma marge de manœuvre, qu'est-ce qui me lie à la Fédération Camerounaise de Football. Ce n'est pas une affaire d'argent, c'est une affaire de job description. Et lorsque moi, je ne suis pas dans ce cadre-là, je ne peux pas réellement travailler. Mais par contre, je travaille avec des hommes qui travaillent dans cette fédération. Monsieur Kadi, qui est dans cette fédération, est l'une des personnes. Je suis tellement proche de lui. Et mon avis, je lui donne toujours mes avis. Monsieur Njoya lui-même, de temps en temps, je lui donne des avis. Monsieur Joshua aussi, qui est le deuxième vice-président, je lui donne mes avis. Beaucoup d'amis qui sont tout autour, je leur donne l'avis. Mais je ne peux pas endosser la responsabilité d'une fonction et peut-être émarger sur le budget de l'État si je n'ai pas les clarifications de ce que j'ai à faire et de comment je dois le faire pour que demain il n'y ait pas de malentendu. Je ne vais pas me retrouver demain après au TCS en train d'expliquer des choses que je ne connais pas du tout. Si je dois faire quelque chose, il faudrait qu'on me dise ce que j'ai à faire et que ce soit codifié, contenu dans un contrat. En avez-vous discuté avec le président de la Fédération Camerounaise de Football? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il en pense? Il me dit, ouais, on va arranger. Mais écoutez, moi, je ne doute pas qu'on va arranger. Mais mon problème, c'est que je ne vais pas passer le temps à déambuler dans les élections sans savoir pourquoi je suis là. Et comment faire pour savoir ce que je fais là? Il faudrait que ce soit codifié. Si ce n'est pas codifié, je n'y vais pas. Le jour où on m'appelle, on me dit, asseyons, nous discutons du contenu de votre fonction. Peut-être je vais me raviser et je vais reprendre de l'activité. Mais pour le moment, je suis totalement décroché de toutes les élections. Donc, je ne peux même pas vous donner un avis de coordonnateur de Team Press. À partir de là,
Quelle appréciation faites-vous de l'organigramme, d'abord de la sélection, on parlera d'Africa Foot plus tard, puisque nous sommes avec l'équipe nationale. Quelle appréciation faites-vous de la structuration même de cette équipe? Est-ce que pour vous, elle est comme, du moins, elle est organisée comme une équipe ambitieuse, comme une équipe championne, par exemple, du monde, 98, la France, ou je ne sais pas quelle autre équipe au niveau mondial, l'Allemagne. Est-ce que notre structure ne pèse pas sur les résultats pesés hein, négativement? Est-ce que des joueurs, on a quand même des joueurs qui sont au niveau, Choupo-Moting au Paris Saint-Germain, qui ne réfléchit pas où se trouve, par exemple, sa paire de godasses ou son maillot du lendemain? Pour reprendre la question, pensez-vous que cette équipe a le profil d'une équipe professionnelle? Vous savez, ce que j'ai apprécié lorsque M. Appiah est arrivé à la fédération, c'est qu'il a nommé comme coordonnateur des sélections nationales un ancien footballeur qui a fait des hautes études de management, M. Dikoumé. Après, M. Dikoumé est parti, on a mis un autre ancien joueur qui s'appelle Bill Tiato. Et dans cette sélection, je pense logiquement que lorsqu'on a la chance d'avoir autant d'anciennes gloires autour de la sélection, on devrait avoir des performances parce que eux, ils ont joué dans des grands clubs, ils ont vu. Est-ce que les anciennes gloires à elles seules suffisent? Je veux dire que si la structure, si l'organigramme d'ailleurs, c'est l'une des raisons. C'est là où je voulais arriver. D'accord, pardon. Je voulais arriver là pour dire que après avoir superposé comme ça les anciennes gloires, il faut que la fédération fonctionne et qu'elle soit magistralement administrée pour que tout ça, la mayonnaise prenne. Si elle n'est pas magistralement administrée, je suis d'accord avec vous que les anciennes gloires deviennent des parures, simplement, et qu'il n'y a aucune organisation. Dans le cas présent, je pense que la FECA Foot est en train de se restructurer totalement et qu'elle n'est pas prête, ou elle n'offre pas des garanties d'organisation professionnelle pour que cette équipe ait la sérénité administrative. On a fait partie récemment une cinquantaine de personnes à la FECA Foot. On est en train de restructurer, parce que M. Appiah avait fait une expertise des ressources humaines, RH, et j'espère que ce sera appliqué, parce que si c'est appliqué comme c'était prévu, il est évident que quelque chose va changer. Et c'est dans cette dynamique que j'avais proposé la restructuration des services presse des équipes nationales. Comment vous pouvez expliquer que une équipe nationale du Cameroun qui a une épopée qui date quand même de 1964 avec la Coupe des Tropiques qui a été gagnée par l'Mbappé Lépé à nos jours, en passant par la Coupe du Monde en 82, 84, 88, 2000, 2002, les Coupes du Monde et autres. Vous ne pouvez pas arriver à la Fédération Camerounaise de Football et vous trouver un service presse qui est capable de vous montrer une photothèque, une vidéothèque, une bibliothèque, capable de vous raconter toutes ces épopées, c'est qu'il y a un problème. Et c'est simplement ça que je voulais montrer. Quand je l'ai proposé à M. Appiah, il a été charmé par mon idée. Moi, je proposais même de travailler en consultant, parce qu'aujourd'hui, je ne me vois même pas être employé à la FECA Foot. Il m'a dit, bon, ok, tu vas venir, tu implémentes, après tu pars, mais bon, après, il y a eu des batailles politiques inutiles pour des choses que je n'avais pas demandé. C'est vrai que j'avais eu une petite frustration à l'époque, mais sans plus, et je suis passé à autre chose. J'avoue qu'il est difficile de détacher la FECA Foot de l'équipe nationale. On va laisser, oui, je suis d'accord. On va laisser l'équipe nationale 10 minutes, puisque nous sommes à la FECA Foot. Alors, pour vous, pardon, le mal profond, c'est lequel? C'est le manque. C'est l'absence des hommes, ou alors le manque de projet. Je veux dire que jusqu'à présent, les footballeurs ne se dotent-ils pas des hommes à la hauteur des ambitions du football camerounais? Vous savez, ou ceux qui sont choisis n'ont-ils pas le projet adéquat pour le football camerounais? Non, on choisit encore au hasard. Le problème, c'est que les footballeurs ont évolué plus vite que les administrateurs. Lorsque Sepp Blatter a lancé son projet de gagner en Afrique avec les Africains en 2010, tout le monde était prêt, les journalistes. Et d'ailleurs, dans ce projet que moi, j'ai été formé pour être commentateur de matchs, parce qu'il fallait commenter les matchs des pays africains par les Africains, les joueurs étaient au niveau, sauf les administrateurs. Les administrateurs ne sont pas prêts. Ils ne comprennent même pas quelle est la logique professionnelle. Et c'est pour ça qu'il y aura toujours des problèmes à l'Africa Foot. Aujourd'hui, mais les problèmes actuels de l'Africa Foot, où il y a beaucoup de juridisme, ont un seul fondement. Il ne faut pas qu'on mélange les genres.
des projets où on est au TAS, on est dans les tribunaux, tel groupe veut gérer l'Afrique à faute, c'est la liquidation de l'héritage de M. Iya Mohamed. C'est la mauvaise liquidation qui continue jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas liquidé totalement cet héritage, les héritiers continuent à se battre et chacun estime qu'il a droit à une place au soleil et on continue dans ce capharnaüm. Et quand je dis la liquidation de l'héritage de M. Iya Mohamed, c'est que je mets également ceux qui le combattaient en face. C'est-à-dire qu'ils pensaient que dès qu'il est parti, ils vont s'installer. Sauf que dès qu'il est parti, eux-mêmes, ils ont pactisé avec d'autres qui étaient restés. Et donc, du coup, on est entré dans une sorte de composition. Toile d'araignée. Oui, oui, à n'en plus finir. Et vous allez trouver aujourd'hui, de façon disparate dans toutes ces équipes, ici, ceux qui étaient avec Iya Mohamed et ceux qui le combattaient. Là-bas, ceux qui étaient avec lui et ceux qui le combattaient. Et c'est cet héritage qui est difficile à solder jusqu'à aujourd'hui. Et pourquoi cet héritage est difficile à solder? Parce que tant que le football est géré par le politique de façon pleine, on ne s'en sortira jamais. Vous direz... Pas parce que le politique est animé par de mauvaises intentions, mais parce que tout le monde utilise la position du politique pour raconter ce qu'il veut. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé quand les élections de l'Afrique à faute sont proches, entre les ministres qui parrainent des candidats, les coups de fil qui viennent de la présidence et autres, on est perdu. Alors qu'on ne parle que d'une association, on parle de football. On doit laisser les clubs et les présidents de clubs eux-mêmes qui ont accepté d'être à la traîne de tout et donc d'être des porteurs de sac de ceux qui n'ont rien à faire dans le foot. On s'en sort pas. Vous direz comme certains qu'il faut raser tout ce monde-là. Malheureusement, on ne peut pas raser. Quelle est la loi qui va faire qu'on rase? On ne peut pas raser. On ne peut pas raser. Le seul problème aujourd'hui, c'est qu'il faudrait que il y ait un responsable ou des responsables ou une génération d'hommes qui arrivent à la fédération avec la volonté réelle de bâtir la fédération. Donc, il faut prier. C'est à cela que nous en sommes. Je ne sais pas s'il faut prier, mais je pense qu'il y en a, on peut en trouver. Mais le problème, c'est que tous ceux qui ont cette compétence et cette force ne veulent pas approcher un milieu pourri où, pour un oui ou pour un non, leurs noms seront traînés dans les télévisions n'importe comment. Et parfois, on va raconter des balivernes juste parce qu'on veut les disqualifier ou les discréditer. Et ça, eux, ils s'éloignent de ce milieu et forcément, ça laisse la place aux gens qui n'ont pas beaucoup de compétences et qui arrivent et qui occupent l'espace. Et pourtant, on a mis beaucoup d'espoir, par exemple, sur le comité de normalisation Dieudonné Happy. Quel bilan vous en faites? Moi, je pense que M. Happy a fait un immense travail. C'est mon avis. Je pense qu'il a beaucoup travaillé, mais il a pêché à un seul endroit, mais pas de son bon gré. Il ne connaît pas les milieux du foot. Et parfois, il était obligé de s'appuyer sur des gens qui ne lui disaient pas toujours la vérité. Je reconnais qu'il consultait beaucoup, mais c'est pas lorsqu'on est étranger dans un milieu, même lorsqu'on a consulté, on arrive toujours à trouver deux ou trois personnes qui vous perdent. Mais il a eu la volonté de changer beaucoup de choses parce qu'il a restructuré la fédération sur le plan des ressources humaines, sur le plan du fonctionnement des équipes nationales. Et c'est le seul qui n'a pas cédé aux caprices de son ministre de tutelle, qui faisait des choses comme il le voulait. Mais malheureusement, encore là, il les faisait et le ministre lui-même avait l'impression qu'il était en même temps téléguidé par d'autres qui lui faisaient vivre ses misères. Mais je reconnais que M. Happy s'est sérieusement battu. Après, vous me direz pourquoi on est au TAS, pourquoi on est ici, pourquoi on est là-bas. Mais parce que je vous dis qu'il y a la mauvaise liquidation de l'héritage de M. Iya Mohamed. Tant qu'on n'a pas liquidé, soldé cet héritage, on s'en sortira pas. Que faut-il faire pour liquider et solder cet héritage? Vous me demandez de faire une consultation à l'antenne, à STV. Monsieur Dipta, en fait, le problème dans ce pays, c'est que parfois, lorsque les gens bénéficient du décret, ils ont l'impression qu'ils ont une intelligence hors norme. C'est-à-dire qu'un mec qui n'a jamais regardé un match de foot au stade, dès qu'on lui donne le ministère des Sports, il a l'impression que lui, il a la science infuse et il commence à décider de tout, il ne consulte personne. Lorsque vous me demandez qu'est-ce qu'il faut faire, il y a forcément des solutions. Mais les égrener ici à l'antenne, c'est justement fragiliser encore un peu plus le foot. Il faudrait que ceux qui ont les clés, ceux qui connaissent des choses, ça c'est conseil. Il faut peut-être aussi avoir le courage de fragiliser le foot pour mieux le construire plus tard. Oui, mais il faut le fragiliser dans un environnement où on va mettre des gens devant leurs responsabilités. Lorsque les ministres arrivent à la... Lorsque M. Molekombi est arrivé,
J'avais fait un billet où je lui disais deux conseils. Ne sois pas le ministre des Lions Indomptables, parce que c'est avec ces Lions Indomptables que tu seras coulé. Deuxième chose, ne crois pas beaucoup à tes collaborateurs, parce que la plupart des directeurs également au ministère sont les vrais problèmes du sport au Cameroun. Ils veulent tout contrôler, ils veulent contrôler les missions, ils veulent être dans toutes les missions. Et du coup, ils arrivent à dealer avec des présidents de clubs au détriment du sport. Et ça va dans tous les sens. Et c'est l'un des problèmes aussi. Je peux parler de la FECAFOOT, dire oui, tel ne fait pas telle chose, tel ne fait pas telle chose. Mais qu'est-ce qu'on fait au ministère pour que ça change? Pas grand-chose. Par contre, on a pourtant revu la loi. Et certains diront qu'elle a davantage fragilisé peut-être certaines instances, notamment la chambre de conciliation, oui. Et d'arbitrage, qui jusqu'ici avait quand même montré qu'elle peut se détacher entièrement de certaines personnes, se détacher de certains dossiers pour être logique dans la prise de décision. Et puis fatalement, on a l'impression qu'elle a été remise sous tutelle. Vous savez, tout à l'heure, je parlais de la faiblesse de la Fédération Camerounaise de Football. Et tant qu'on n'aura pas un exécutif fort à la Fédération, ça va toujours aller dans tous les sens. Souvenez-vous, lorsqu'on a retiré 6 points au Cameroun, c'est la diplomatie du chef de l'État qui a réglé le problème. Lorsqu'il y avait des problèmes à la Fédération, vous ne pouvez pas compter le nombre de missions qui sont allées à la FIFA, conduites par le ministre Ona et beaucoup d'autres pour aller voir. Pendant ce temps, qu'est-ce que les hommes du foot, ceux qui tiennent les rênes, qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien du tout. Et donc, c'est ce vide-là qui fait qu'on arrive à des situations, même de modification de loi, sans tenir compte forcément des réalités de terrain. Parce qu'on a modifié cette loi parce que la FIFA l'a demandé. C'était une entente entre le gouvernement du Cameroun qui a pris des engagements pour que la FIFA mette en place le comité de normalisation. Il fallait revoir un certain nombre de choses dans la loi du Cameroun qui, pour la FIFA, était aux antipodes de ses objectifs. Et il fallait la revoir et c'est pour ça qu'on l'a revue. Et le problème n'est pas au niveau de la loi, je vous le répète. Imaginez, quand on a enlevé 6 points au Cameroun, je me souviens encore de ce communiqué au journal de 17h de la CRTV, on a démis le ministre Bidoumpat. C'était en 2004. En 2004. On a, avril 2004. On a bloqué l'Assemblée générale de la FECAFOOT. On a créé une commission de relecture dirigée à l'époque par Nguer Omer. Dans cette commission, il y avait le bel Joseph Antoine et autres Antoine Depado et Sobainga. Sauf que il y avait une seule chose qu'on demandait de changer. C'est la loi 4. C'est l'article 4. Voilà. Qu'est-ce que je dis? L'article 4 des statuts de la FECAFOOT. Alors, on a fait semblant de changer pour ressortir ça dans un autre article. Est-ce que vous comprenez? Donc, en réalité, le problème n'est pas... On est parti de l'article 4 aujourd'hui, on est en train de grainer de l'eau d'artère, alors que tout le monde au départ disait non, c'est l'article 4 le problème. Le problème n'est pas au niveau de l'article 4. Le problème n'est même pas au niveau des articles dans les statuts de la FECAFOOT. Il ne faut pas qu'on distrait les Camerounais avec ce genre de discours. Le problème est au niveau des rancunes, au niveau des règlements de compte, au niveau de la volonté des uns de faire disparaître les autres. Et je crois que le combat s'arrêtera lorsque ceux qui s'affrontent autour de l'héritage de Iyad Mohamed auront compris que personne d'entre eux n'est plus à l'ordre du jour. Mais vous refusez de nous en donner quelques grilles. C'est ce que je dis, d'une autre façon. Bon, pour finir peut-être avec la FECAFOOT, parce qu'on va revenir sur cette liste des Lions, les joueurs convoqués. Pensez-vous que Seydou Mbomondjoya a des arguments pour réussir sa mission? C'était l'homme le plus conciliant. Parce que le football camerounais a traversé une période de crise. De ce que je sais de M. Ndjoya, il n'est pas belliqueux. Il est très conciliant. Et en réalité, cette période devait être mise à contribution pour concilier les positions. Ça devait être son axe de travail. Aller faire autre chose était totalement inutile. Et pour moi, de tous les candidats qui étaient en jeu, c'était le plus conciliant, c'est-à-dire celui qui pouvait le plus rassembler plusieurs positions sans que ça ne pose un problème. Ça ne veut pas dire qu'il était le plus compétent de tous ceux qui étaient là, mais pour moi, c'était le plus conciliant. Sauf que je pense que lorsqu'il est arrivé, il y avait tellement... il est entré dans des dossiers qu'il estimait être des dossiers d'urgence que pour moi, il a raté sa mission. Sa mission première, de mon point de vue, devait être de concilier la grande famille du football. Il a le visage pour ça.
il a le tempérament pour ça, il n'est pas belliqueux et il fallait concilier la famille. Il fallait faire asseoir les gens sur la même table. Les gens peuvent être divergents. Si des gens arrivent à mettre fin à la guerre parce que les belligérants sont assis sur la même table, quelle est la guerre qui a l'Afrique à foutre qui fait qu'on ne peut pas s'asseoir et parler? On peut s'asseoir et parler. Et c'est par ça qu'il aurait dû commencer. Mais qu'a-t-il fait qu'il aurait dû remettre à plus tard? Non. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Commençons peut-être par là. Oui, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Moi, je dis, il aurait commencé par le bal des conciliations en utilisant tous les circuits d'influence possibles pour pouvoir amener les uns et les autres à de meilleurs sentiments. On peut reprocher tout ce qu'on veut, Abdourahmane, moi-même y compris, parce que je passe le temps à dire à mon ami Abdourahmane aussi, on ne va pas passer la vie dans les tribunaux. Le foot, ça doit se jouer sur le terrain. Mais, en même temps, lorsque les gens ne sont pas contents, il faut parler et parler sincèrement. Qui est l'interlocuteur? Ça, c'est la première chose. Si vous choisissez un mauvais interlocuteur, vous choisissez forcément une solution totalement biaisée. Et je pense que Abdourahmane, que je connais, n'est pas opposé à l'idée de s'asseoir et de parler. Il a ses obsessions, parce que tous sont dans la liquidation de l'héritage de M. Iya Mohamed. Mais je répète que parce que tous ont travaillé avec ce monsieur, ils peuvent se parler. Parce qu'avant, ils se parlaient. Ils se parlaient avant lorsqu'il fallait dire que les journalistes exagèrent sur les critiques contre Iya Mohamed. Je ne vois pas pourquoi ils ne se parleraient pas aujourd'hui. Et pour moi, ça devait être le préalable. Peut-être que ce n'est pas M. Ndjoya qui devait mener cette opération, mais il fallait choisir les interlocuteurs crédibles. Et il est dans la position où il aurait pu avoir un interlocuteur le plus facile, de son propre papa. Monsieur Bombo Ndjoya, le sultan, qui a quand même été le premier ministre des sports de ce pays, qui a dirigé la FECA Foot, qui connaît les milieux du foot, je ne le vois pas en train de parler à quelqu'un dans ce pays concernant le foot, qu'il ne l'écoute pas. Monsieur Félix Steyenbock vit encore. Pourquoi on ne peut pas s'appuyer sur des gens comme ça? Il faut s'appuyer sur ces gens parce qu'on en a besoin. Et on peut s'écouter. On peut s'écouter, mais si on n'a pas mis le dialogue comme préalable, ceux qui sont en face ont l'impression que vous êtes dans la logique de l'énarguer. Et donc ils vont se radicaliser un peu plus. C'est en ça que je dis que c'est ce qu'il n'a pas fait. Par contre, ce qu'il a fait dans l'administration de la fédération, qu'est-ce que je vais lui reprocher? Moi, je ne suis pas membre du bureau exécutif, je ne suis pas personnel de la FECA Foot, je ne lui reproche rien du tout. C'est lui qui connaît les priorités de la fédération. Mais moi, je pense que on ne devait pas, quand on hérite d'un héritage avec des querelles, on doit chercher à taire d'abord les querelles. Et je pense que il ne suffit juste pas de dire « oui, je suis disposé ». Non, il faut matérialiser ça dans les actes. Moi, je parle avec Abdourahmane, je parle avec tous ces hommes, je parle avec beaucoup de personnes. Il faut chercher ce genre de personnes qui sont capables de parler à tout le monde et qu'on les écoute. Peut-être pas moi, mais je vous ai parlé du sultan. Il y a d'autres personnes comme ça ici, M. Toyenbok et autres. Évidemment que ce soir encore, vous faites preuve d'un franc-parler nécessaire ou alors... qu'on vous connaît. Et j'espère qu'on ira un peu plus dans la question précise que je vais poser. Vous dites que on se dispute l'héritage de Iya Mohamed. Est-ce que derrière, que ce soit les politiques, les héritiers de Iya et tout le reste, les journalistes sportifs, les partenaires, en termes d'accompagnement, équipementier, tous ceux qui viennent associer leur nom comme peut-être les sponsors, est-ce qu'il ne s'agit pas de la dispute autour de l'argent finalement? Non, non, non. J'entends trop... Il y a l'argent à l'Afrique à foot, dans le football, d'accord. Mais ce n'est pas ça la question. Ce n'est pas ça la question. Évidemment, ceux qui vont arriver aux affaires vont gérer de l'argent, c'est évident. Mais la crise part d'où, dit Peter? La crise part du fait que M. Iya Mohamed doit partir à un moment et il a 1001 héritiers qui se bagarrent. M. Tobia Roko est en position de départ, M. Alim Konaté est en position de départ, Abdourahmane Amadou qui a travaillé avec lui est en position de départ, David Maebi est en position de départ, Antoine Depado et Soba Yenga est là, John Begelinde est en embuscade sans faire trop de bruit. Donc à la fin, tous veulent cet héritage. Mais il se passe juste que M. Iya Mohamed, par lucidité ou par objectivité ou je ne sais pas quoi, il fait plus confiance à deux ou trois personnes qui étaient proches de lui, dont M. Alim Konaté et M. Tobi Aroko. Et ça crée des divisions, parce que les divisions commencent en 2010.
véritablement, et ça éclate dans tous les sens, à la Coupe du Monde. Et ça commence comment? Il y a une équipe qui est envoyée à Buffalo, une équipe envoyée par le président Yamamed à Buffalo pour chercher le site. Cette équipe va négocier, elle est conduite par le président David Maïbi de regretter Momoa, avec Maître Wamba, je crois très bien, Maître Wamba. Mangua, c'est la Coupe du monde en Afrique du Sud. Maître Mangua, ils tombent sur une belle opportunité, ils négocient le site, idylle. En face de l'autre côté, il y a M. Paul Le Guen et autres qui négocient également un autre site. Et après, il y a Mohamed est obligé d'arbitrer. Et là, le comité commence à se fissurer, mais gravement. Les problèmes que les joueurs ont eus étaient davantage des petites manipulations de quelques administrateurs de la FECAFOOT. Et maintenant, lorsque M. Iya Mohamed est en train de partir, parce que de 2010 à 2013, il a une forte pression de l'administration pour partir, y compris même de ses propres personnes. Mais il doit partir pour laisser qui? Il met Abdourahman à l'étroit, ce qui est une frustration que je pense qu'il n'a pas dirigé jusqu'à aujourd'hui. Il met Abdourahman à l'étroit au profit de qui? Au profit de M. Tombi Aroko, qui arrive et qui fait la démonstration de force de vouloir également écraser un peu plus Abdourahman, et ainsi de suite. Ça crée des tensions qui persistent jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous savez que la dernière élection, M. Tombi Aroko, qui n'était pas candidat, joue encore un rôle majeur dans cette élection? Alors, je vous dis, et je répète, que c'est une affaire qui de dispute de l'héritage. Et qu'est-ce que vous mettez dans l'héritage? Je mets dans l'héritage le positionnement. Pourquoi mon père ne m'a pas laissé au pouvoir et au trône, il a laissé l'autre? Je dois tout faire pour qu'il n'ait jamais la paix. En dehors de l'argent, qu'est-ce que ça rapporte que d'être président de la FECAFOOT? Non mais, quand vous me demandez, ça rapporte au moins les honneurs. Vous savez, hein, vous savez, l'argent, je dis, l'argent est là. Il y aura toujours l'argent, même si c'est un papillon qui dirige la FECAFOOT. Il y aura toujours de l'argent. Donc, je ne mets pas l'argent en avant. Ce que je mets en avant, c'est la capacité des gens à s'excuser, à se comprendre, à se tolérer. Or, les héritiers de Iya Mohamed ne se tolèrent pas. Je vous cite des gens qui n'arrivent même pas à se parler, qui ont des problèmes éternellement, qui ne les règlent pas. C'est ça qui pollue la fédération jusqu'à aujourd'hui. Revenons à l'équipe nationale. Vous avez parcouru la liste des 37. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'elle est pléthorique. C'est ce que je pense. Et je pense qu'on aurait pu aller tout de suite. Il a fait les éliminatoires. Il aurait pu arrêter tout de suite une liste de 26 ou 27 joueurs maxi pour pouvoir aller tout de suite. Donc, sur la longueur de la liste, moi, ça m'a un peu déçu. Sur le timing des listes additionnelles, je pense qu'on aurait pu faire mieux en termes de communication. Voilà ce que je peux dire. J'ai parcouru certains commentaires qui, évidemment, sont pas toujours, évidemment, je veux dire, ça c'est humain, sont pas toujours d'accord. Donc on pense qu'il y a toujours une mainmise, peut-être de, comment on les appelle, les gars qui placent les joueurs là, les agents de certains agents, par exemple les Happy, la filière et tout le reste, les fils Happy, dont on dit que leurs joueurs, leurs poulains sont tout le temps autour de l'équipe nationale, même quand ils ne sont pas toujours en performance, ou alors quand ils ne jouent pas toujours dans les équipes. C'est possible. C'est possible qu'ils aient une influence. Et c'est leur droit de chercher à placer leurs joueurs. Mais pourquoi on passe le temps à dire les agents, ça veut dire qu'on a des coachs qui n'ont pas de couilles, excusez-moi l'expression. Mais alors, vous voulez me faire croire, ou on veut me faire croire que M. Sidoff est tout excusé, parce qu'il y a des agents qui lui imposent des joueurs. Mais si des agents lui imposent des joueurs, il a la possibilité de les dénoncer. S'il ne le dénonce pas, excusez-moi, je ne vais pas faire celui qui écoute derrière les portes pour venir dire on lui impose des joueurs. Il n'a qu'à dénoncer cette pratique-là et autres. Maintenant, je reconnais que dans la liste, il y a des joueurs discutables. Je ne dis pas non, il y a des joueurs qui sont totalement discutables. Mais là encore, c'est le choix du coach. Et je crois qu'il aurait gagné à faire une conférence de presse au moment de publier cette liste pour faire taire toutes les suspicions qu'il y avait autour. Or, on a manqué l'étape de la conférence de presse et ça laisse donc libre cours à tout type d'analyse. Et on peut se poser la question sur la présence des joueurs. Moi, j'ai discuté avec certaines personnes qui m'ont dit Sidoff a estimé que
il va continuer avec ceux qui ont toujours été appelés, même si ils ne sont pas forcément plus performants que d'autres. C'est une logique de fonctionnement. Question de confiance. C'est une question de confiance. Mais ça, il devait expliquer ça. Pour qu'il n'y ait pas justement à parler des agents qui imposent des joueurs, à parler de beaucoup d'autres choses. On ne peut pas reprocher à un agent de travailler. Mais par contre, on peut reprocher à un coach de céder aux caprices des agents. 12 champions d'Afrique en titre, seulement 12, sur du moins sur les 23 ou les 22 de Libreville, Saint-Libreville, ouais, Libreville, en 2017. 4 gardiens de but, présélectionnés. Il y a toujours des problématiques, hein, entre Fabrice Ondoa, André Onana, Idriss Carlos Kameni. Ce serait qui votre choix? Non, mais je n'ai pas de choix. Mon choix est tout fait, monsieur Dipita. Vraiment. Moi, je suis un partisan de la performance. Le gardien camerounais André le plus Onana. Performant, c'est André Onana. Pourquoi est-ce qu'on va... J'aime beaucoup Fabrice Ondoa. J'estime même qu'il est très bon. Mais quel est le critère de sélection? C'est la performance. Pour le moment, André est puissant. Justement, la performance d'André face à celle de Fabrice ne date pas, du moins... sa meilleure performance face à Fabrice date pas d'aujourd'hui. Comment on peut expliquer que tout ce temps-là, Fabrice Ondoa a quand même été titularisé devant André Onana? C'était un choix de coach, mais c'était une frustration pour André. Moi, je suis partisan de la performance. Franchement, je ne peux pas comprendre qu'un joueur est performant en club qu'il ne soit pas titulaire au profit de quelqu'un qui soit n'est pas performant en club, soit qui joue dans un club de seconde zone. Ça c'est mon avis. Et surtout, aujourd'hui pour moi, André Onana a quand même réalisé à faire quelque chose que très peu, presque personne n'a jamais eu à faire en Afrique. Aucun gardien titulaire, aucun gardien africain n'a déjà joué une demi-finale de Champions League en étant titulaire. C'est une grosse performance. Et il faut qu'on respecte ce gamin pour ça. Il faut qu'on arrête de dire, ouais, il y a des gardiens de l'équipe nationale et des gardiens de club. Non, c'est pas possible. L'équipe nationale sélectionne des joueurs qui sont bons en club. Et c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, les coachs décidaient peut-être avant, parce qu'en même temps, André, on n'en était pas parvenu au très haut niveau, qui faisait qu'il n'y avait pas débat. Il cherchait la route. Là, il a eu sa route. Il a l'Ajax. Il est sollicité aujourd'hui par des grands clubs. Il fait partie des 10 meilleurs gardiens au monde. C'est du pain béni pour nous. Et André, et avoir Fabrice comme son second, c'est en même temps une bénédiction pour nous. La problématique des joueurs locaux revient. Il n'y a que Simon Mossola de Coton Sport de Garoua qui est d'ailleurs gardien. Et puis, on remarque également Pierre Ramsès Akono de Eding. Je veux dire que les championnats locaux sont toujours, n'ont pas toujours la meilleure représentativité non, même à ce niveau. Non, mais vous parlez de, vous avez oublié que sur la liste des trois, il y a un voué. Oui, absolument. Oui, absolument. Mais moi, je ne suis pas sur les quotas. La performance en sport n'obéit pas aux quotas. La performance en sport obéit à ce qu'on produit sur le terrain. Si il y a des joueurs qui sont pas bons et qui sont bons à l'étranger, on n'a qu'à les prendre. Mais par contre, la problématique arrive quand on a ce qu'on appelle des joueurs professionnels, juste parce qu'ils évoluent à l'étranger, ils sont très moyens. Moi, je vais par exemple me poser la question de savoir pourquoi un garçon comme Franck Comme, qui est en finale de Champions League avec son club, et qui est titulaire, n'est pas sélectionné dans cette équipe. Je peux me poser cette question. Elle est légitime, c'est au coach d'expliquer. Je peux me poser la question de savoir pourquoi un jeune joueur qu'on prépare comme Ganago, qui est à Nice, n'est pas convoqué. Mais là encore, le coach doit avoir forcément une réponse. Moi, mon problème, c'est pas au niveau des quotas, c'est au niveau de la performance. Et c'est pour ça que la présence de certains joueurs peut être discutée. Si je vous demandais de faire éventuellement la liste des 23 qui seront... Oh non. Non, on passe. Aujourd'hui c'est difficile même pour moi. Parce qu'à l'époque où les Samuel Eto'o, les Rigaud Berson, les Jérémy Ditab, je pouvais de mémoire aller du gardien au remplaçant. Mais aujourd'hui, c'est très difficile. C'est très difficile. Et... Bénin, Ghana, Guinée, groupe F. Un groupe tranquille, on peut dire. Oui. Mais vous savez, monsieur Dipta, j'avais fait une analyse. C'est pour ça que je voulais que la CAN vienne en juin. J'étais parmi ceux qui estimaient que la CAN devait se jouer en juin. Pourquoi? Regardez que depuis 2002, que le Cameroun a gagné la CAN avec des joueurs de haut niveau qui jouaient dans des grands clubs.
très peu d'équipes ont gagné la CAN avec des joueurs qui jouaient dans des grands clubs. Le Cameroun de 2004, de 2006, de 2008 avec Samuel Eto'o qui jouait au Barça, Jérémy qui jouait ici et là, Rigobert Song qui jouait là-bas, aurait pu gagner d'affilée beaucoup de CAN, mais n'a pas gagné. À ce moment, quelle est l'équipe qui dominait l'Afrique? C'est l'Égypte. L'Égypte avec des joueurs qui évoluaient localement. Et vous regardez donc après, quelle est l'équipe qui supplée l'Égypte? C'est la Zambie. Après, vous voyez que des équipes moyennes comme celle du Cameroun en 2017 arrivent à gagner. Même l'équipe de Côte d'Ivoire, lorsqu'elle gagne la CAN, est totalement dépouillée de toutes ces stars qu'on a connues, dont les Okora, les Drogba et autres. Il reste que Yaya Touré. L'équipe du Nigeria, lorsqu'elle gagne la CAN, elle est composée de joueurs qui évoluent localement ou dans des championnats de seconde zone. Le seul qui est connu, c'est Michel Obi, qui n'est pas au top de sa forme. Et donc, j'arrive à quelle conclusion? J'arrive à la conclusion que les grands joueurs arrivaient à la CAN en janvier et en février parce qu'ils sont préparés dans leur club pour être très forts à partir du mois de mars pour la Champions League. Ils n'étaient pas forcément très rentables pour leur pays et ils ne jouaient pas. La saison n'était pas terminée, ils avaient des objectifs à atteindre en club, ils n'avaient pas toute la tête. Moi, j'ai discuté par exemple avec Kevin Prince Boatin. Quand il décide de ne pas venir à l'équipe du Ghana, c'est parce qu'il avait eu une proposition du Milan qui lui avait dit « Si tu refuses l'équipe nationale, nous on augmente ton salaire. » J'avais discuté avec Marcel Desailly qui me dit que lorsqu'il va à Chelsea, on lui dit « Si tu refuses l'équipe de France, si tu annonces ta retraite, nous on va te donner une autre année en option. » Donc vous voyez, on joue sur ça. Les compétitions se jouent en milieu de saison. Ce n'était pas évident. C'est pour ça que pour moi, il fallait repousser cette compétition en fin de saison. Donc, par juin et juillet. Oui, absolument. Et c'est pour ça que je veux vous dire que les joueurs qui ont été très performants dans leur championnat professionnel, je peux dire qu'il y a une forte chance que ces équipes viennent relever le niveau. Oui, ils viennent relever le niveau et que ces équipes la gagnent facilement. La CAN cette fois-ci, après de longues années de disette, parce que lorsque vous sortez d'une compétition comme la Champions League avec la forme de Mané, de Salah et autres. Donc on peut mettre une croix sur Choupo-Moting? Non, on ne peut pas mettre une croix. Je ne dis pas qu'on mette une croix parce qu'il y a des aléas que je ne maîtrise pas. Mais je crois que la CAN qui se joue désormais en juin va offrir plus de possibilités aux joueurs qui ont carburé toute la saison et qui sont arrivés au top de leur performance sur le mois de mai. On va quitter l'équipe nationale, revenir un peu à la FECA Foot et puis la Ligue de football professionnel. D'abord, cette interrogation qui demeure au sujet du nouvel équipementier, le coq sportif. Je veux dire qu'on a annoncé à grande pompe la signature entre la Fédération camerounaise de football et un nouvel équipementier pour les Lions Indomptables. Mais on continue de jouer pour moi. En fait, je crois qu'on a annoncé pour le 1er juin l'arrivée des équipements, des premiers équipements et autres. Mais si vous voulez mon avis sincère sur cette affaire de coq sportif, si j'avais été président de l'Africa Foot, j'aurais pas procédé comme ça. J'aurais procédé différemment. Et je ne suis pas sûr que je me serais arrêté sur le coq sportif. Qu'auriez-vous fait? J'aurais fait un appel d'offres connu de tout le monde, avec un cahier de charges connu de tout le monde, et j'aurais laissé que des propositions soient dépouillées officiellement avant de m'assurer que... Mais l'argument jusqu'ici avancé semble dire que le Cameroun, et vous le faisiez remarquer tout à l'heure, parlant de la performance des joueurs à l'époque qui étaient en Champions League, pour dire que le Cameroun n'a forcément plus la même valeur. Oui, mais Cameroun n'a pas la même valeur, mais le Ghana n'est pas au-dessus du Cameroun non plus. Pour moi, est toujours avec le Ghana, je crois. Le Cameroun est champion d'Afrique. Qu'est-ce qui a manqué avec Pouma? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Non, non. Ce qui s'est passé, c'est que je vous ai dit que quand le politique entre dans la gestion du foot, on ne peut pas s'en sortir. Lorsque Maître Appy est président du comité de normalisation, il choisit un cabinet, je crois que c'était un cabinet nigérian, après un appel d'offres. Il met en place une équipe pour pouvoir discuter, engager les discussions avec Pouma. Les discussions sont engagées avec Pouma, sauf que le ministre d'alors les fait arrêter. Il estime qu'une équipe provisoire ne peut pas engager la fédération sur une affaire aussi importante. Sauf que l'élection ne vient pas vite. L'élection arrive finalement à mi-décembre et le contrat doit expirer le 31 décembre. Sauf que Pouma est une entreprise sérieuse qui ne va pas attendre qu'on finisse nos querelles à deux balles ici pour revenir après nous dire « Ok, ben maintenant on a fini. Nous on te veut. » Non. Quand on a fini,
le délai était en train d'expirer. Et donc, du coup, Pouma a revu sa proposition, elle a divisé sa proposition quasiment en 3 ou 4, en proposant quelque chose de symbolique au Cameroun, avec peut-être la même quantité d'équipement. Et c'est pour ça que Pouma ne s'est pas fait. La faute n'est pas à Pouma, comme j'ai entendu. Pouma n'a pas baissé le montant parce que le Cameroun ne l'intéressait pas. Pouma a divisé le montant parce que nos querelles à la camerounaise ne nous ont pas permis de boucler les discussions à temps. Alors, et que nous apporte le Coq Sport? Moi, je ne sais pas. Mais je croyais que vous étiez dans les secrets, maintenant. Non, moi, je ne suis pas dans les secrets. Moi, je vous dis, si j'avais un choix à faire, je n'aurais pas choisi Coq Sportif. Parce que, regardez quand même, j'ai entendu des gens dire que le Coq Sportif habillait le Cameroun en 82. Le Coq Sportif, non, n'habillait pas le Cameroun. Le Cameroun achetait les équipements Coq Sportif. En 86, j'ai entendu dire que le Coq Sportif habillait l'Argentine champion du monde. L'Argentine achetait des équipements sportifs. J'ai le livre de Diego Maradona, où il raconte une histoire en demi-finale, ils sont allés acheter des équipements au marché. Donc, ce n'est pas des équipementiers à cette époque. Maintenant, on est dans la logique des équipementiers. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient, il dit, j'habille toutes les sélections. Parce que n'oubliez pas que Pouma n'habillait pas toutes les sélections. Des sélections, autres sélections utilisent juste les équipements des sélections seniors. Donc, il fallait donc faire un cahier de charges, faire un appel d'offres et attendre. Et attendre. Ou alors, et encore, Monsieur Dipita, qu'est-ce qui nous empêchait d'aller à la Coupe des Nations ou à la Coupe du Monde féminine avec un maillot acheté par nos frères et juste un logo, une tête de lion ici, tant qu'on n'a pas un équipementier. Pourquoi on court? Pourquoi on est obligé de courir? Alors on va aller un peu plus vite. Parce que vous avoir, évidemment, c'est comme avoir un livre en face. Il y a tellement de choses à dire, mais il ne nous reste plus beaucoup de temps. On va aller un peu au pas de course. FECA Foot, Ligue de football professionnel, c'est pas le grand amour. Oui, mais ça n'a jamais été le grand amour. Tant que la Ligue de football professionnel est gérée par le président Semenge. Non, c'est que c'est, le problème est le général. Oui, le problème est le général. Le président. Non, le président Semenge. Pour le cas d'espèce. Oui, pour le cas d'espèce. J'insiste. Parce que. Donc vous dites que si elle fait partie, le problème est résolu. Non, mais ce n'est pas une affaire de faire partir. C'est une affaire où on est dans un environnement où tout le monde a peur du général parce qu'on dit que c'est l'ami du président. Et donc, même quand des gens ont des velléités, ils se cachent, ils ne l'affrontent pas. Et on ne peut pas être comme ça dans le foot. Le foot, c'est le président Semenge. Oui, donc en réalité, il n'y aura jamais cet amour. Donc, faire partie, le président Semenge résoudrait les problèmes entre FECA Foot et Ligue de football professionnel. Non, je ne suis pas devin. Je n'imagine pas ce qui va arriver dans ce qui n'existe pas encore. J'analyse la situation qui existe. Okay. La situation qui existe, c'est que il y a un homme que personne ne peut ou ne veut affronter et qui a fait de la Ligue de football professionnel une autre fédération. C'est-à-dire qui fonctionne, et même quand la fédération ne veut pas décaisser de l'argent, parfois elle le fait sous le coup c'est comme s'il y avait l'arme sur la table. Non, pas l'arme, je ne vais pas parler d'arme, mais c'est comme s'il y avait une obligation à le faire et ainsi de suite. Le général Semenge a peut-être des bonnes intentions, mais je répète que tant qu'on est dans un environnement où tout le monde pense que c'est le général, et qu'on ne doit pas dire n'importe quoi au général, et qu'on ne doit pas faire un tel reproche au général, je suis désolé, on ne s'en sortira pas. Et c'est la même raison qui crée la crise au sein même de la Ligue, indépendamment de la Fédération Camerounaise de football? Non, je pense on a décrété le professionnalisme au Cameroun. Le professionnalisme ne se décrète pas. C'est comme si un élève n'a pas le probatoire, il a la CIL, vous décidez qu'il doit aller faire le bac. Non. On a décrété le professionnalisme, c'est ça le premier problème. L'État a dit, je vous donne de l'argent pour payer les salaires. Ça veut dire que le jour où l'État n'a pas donné cet argent, les présidents de clubs sont en droit de ne pas payer les salaires. Non. On a décrété le professionnalisme et c'est ça le premier problème. Mon avis aujourd'hui, c'est qu'il faut dissoudre la Ligue de football professionnel et renvoyer la gestion du championnat national à la FECA Foot qui n'a pas grand chose à faire, faire dissoudre le championnat de deuxième division nationale, revenir au système du tournoi Interpol avec un championnat régional qui dégage les champions et donc fonctionner comme ça. Pour le moment, on n'est pas prêt pour ce qu'on appelle le professionnalisme. Mais quels sont ces clubs professionnels
qui attendent la manne, les subventions. Vous avez déjà entendu que le Barça a des subventions ou autres? Non. Au point d'avoir des aérés et de se voir faire taper sur les doigts par la FIFA. Oui, mais il faut aussi qu'on arrête cette histoire de se faire taper sur les doigts. Lorsque je vois des syndicats dire que l'argent qu'on donne aux clubs, c'est pour payer les salaires, ça veut dire que le jour où cet argent ne vient pas, on ne doit pas payer les joueurs. Non, il faut qu'on arrête ça. Les acteurs du football doivent se parler et il faut qu'ils arrêtent de faire des démonstrations de force, de la puissance. On n'arrivera pas et on ne s'en sortira pas. Alors, deux ou trois questions de quelques téléspectateurs. Hein. Ce n'était pas prévu, mais c'est des connaisseurs de football. Je connais moi le foot, donc je peux me permettre de... Pourquoi semble-t-il critiquer à la FECAFOOT tout ce qu'il a contribué à mettre sur pied depuis la normalisation jusqu'à présent? Est-ce la matérialisation d'un malaise qu'on commence à percevoir entre les mentors de l'exécutif et leurs créatures? C'est qui les mentors? Je sais pas. Moi, je ne connais pas les mentors. D'accord. Pourquoi tout critiquer aujourd'hui alors que vous avez contribué à mettre un certain nombre de choses en place? Non, non. J'ai contribué à organiser les choses pour que tout aille bien. Je sais, quand je vois sa question, je sais ce qu'il veut dire. Après, parce que tout à l'heure, on va dire, ouais, mais c'est M. Eto'o qui a imposé Ndjoya. Mais M. Eto'o se bat pour que le football se développe. Après, il ne va pas entrer dans le cerveau de M. Ndjoya, je suis désolé. Et si ça ne fonctionne pas bien, il ne va pas dire à M. Ndjoya, comme j'ai contribué à ce que tu sois là, ah bravo, je continue à applaudir. Non, M. Ndjoya est président de l'Afrikafoot, il doit prendre ses responsabilités. Et moi, je ne suis pas... un Camerounais qui attend des subsides, que lorsque j'ai dit que Dipita mérite de présenter un entretien avec, je n'ai plus la possibilité de lui faire une remarque, une critique. Non, il n'y a aucun malaise, il y a juste que ceux qui dirigent, c'est leur boulot, ils doivent prendre leurs responsabilités et ça ne dépend pas de moi. C'est M. Eto'o qui a fait mettre M. Mbonjo à la tête de la FECAFOOT. Parce qu'il parle de mentor. Moi, je ne vois même pas. Après, il va parler de M. Kadi et autres. Il y avait des choix à faire, ils ont fait leur choix. J'étais d'accord avec ce choix. Après ce paysage qu'il peint lui-même, est-ce qu'il pense que Mbonjo est à la hauteur d'un tel défi? Moi, je ne peux pas dire que Mbonjo est à la hauteur ou n'est pas à la hauteur parce que je pense qu'il y a des préalables. Il y a des préalables à faire dans cette fédération. Ok. Bon, on va passer à autre chose. Mais par contre, je pense que Monsieur Appy était un bon profil pour remettre la FECAFOOT sur les rails. C'est ce que je pense et je le dis à haute et intelligible voix. Mais avec tout l'argent que Maître Appy a laissé, comment on peut expliquer aujourd'hui que la FECAFOOT peine à assurer un certain nombre de dépenses d'engagement? Je ne sais pas si Maître Appy a laissé de l'argent. Je me rappelle que quand Maître Appy partait à l'Assemblée Générale, on a évalué les dettes de la FECAFOOT à plus de 700 millions. Donc je crois que il a laissé des dettes. Pas que ce sont ses dettes, mais lorsqu'il partait, la FECAFOOT coulait sous des dettes également. Aujourd'hui, quel est le jeu que fait Samuel Eto'o dans le football camerounais? Quelle est sa place? Qu'est-ce qu'il espère? Qu'est-ce qu'il attend? Mais davantage, je veux dire que les acteurs en parlent beaucoup. Vous allez poser la question à M. Eto'o. Mais moi, de ce que je sais, chaque fois que je parle avec ce monsieur, je ne sais pas s'il y a autre chose que l'amour pour le football camerounais. Il veut voir les choses avancer. Après, il peut faire des choix où il peut soutenir des gens qui ne sont pas à la hauteur ou qui ne peuvent pas mettre en pratique ses idées. Ça, c'est autre chose. Mais il ne va pas venir s'installer à la fédération pour gérer au quotidien la FECAFOOT. Il a porté, c'est normal, c'est un footballeur, c'est un Camerounais, c'est normal. Il a eu de l'affection, il a soutenu M. Ndjoya. Mais s'il revient s'asseoir à la fédération pour dire à M. Ndjoya ce qu'il a à faire, c'est qu'il y a un problème. Et même si on arrive à dire que c'est lui qui dicte à M. Ndjoya ce qu'il a à faire, c'est que M. Ndjoya lui-même est un problème. Donc je ne voudrais pas qu'on parle... Dans vos confidences. On parle de quelqu'un qui, en réalité, pense qu'il travaille pour le football camerounais et que ceux qui le gèrent au quotidien doivent se battre. Dans vos confidences. Et envisage-t-il, par exemple, d'être un jour l'entraîneur de l'équipe nationale de football ou qui sait peut-être le président à FECAFOOT? Il a été entraîneur à Dima Kaskala. Il a été entraîneur à... Donc il peut être entraîneur de Lyon à Antalya. Donc il envisage d'être entraîneur de Lyon. Il envisage d'être un très grand entraîneur et gagner des titres. Après, si, comme Zidane, le Cameroun pense que il peut venir entraîner l'équipe du Cameroun, pourquoi pas? Il est Camerounais comme n'importe qui peut entraîner l'équipe du Cameroun. À une époque dans ce pays, lorsqu'on me posait la question qui peut gérer l'équipe, il y avait un seul nom qui venait à ma tête. Hein. Alors, peut-être environ 5 minutes pour 3 questions encore. La Coupe du monde de football féminin?
Je pense qu'on est reparti à la Coupe du Monde avec la même équipe, un peu vieillie. Et j'ai peur, j'espère qu'elles vont se surpasser. J'ai juste peur que la performance de huitième de finale qu'on a réussi à décrocher à la dernière Coupe du Monde soit difficile encore à accueillir cette fois-ci. J'espère juste que les filles vont vraiment se surpasser. N'oubliez pas qu'on a une Gaëlle Ngadamut qui n'est pas forcément au top de sa forme comme à l'époque. On a une Gaëlle Aboudi Ongene qui est toujours d'aplomb mais qui n'a pas forcément au top de sa forme comme avant. Donc pour moi, cette équipe est restée quasiment la même. Je crois qu'il y a près de 17 hein, joueuses qui étaient à la dernière Coupe du Monde qui sont toujours là. On aurait pu faire mieux en termes de renouvellement. La CAN 2021, les finitions des stades, vous êtes confiant? Les stades à Douala sont quasiment terminés. Après, je crois qu'il y a un problème dans les stades de Yaoundé et de Garoua. Ouais, stades, c'est que le prétexte. Moi, je veux dire que c'est un package, route, stade, hôpitaux, infrastructure. Non, mais si c'est pour le package, on n'est pas prêt. Monsieur le député, je suis membre de la commission du COCAN. Lorsque je disais que j'ai jamais fait une seule réunion, les gens, ils estimaient que j'exagérais. Et des gens, ils viendront vous dire, ah ouais, mais ils ne viennent pas aux réunions, on convoque les réunions. Alors, il faut d'abord qu'on défonctionnarise le COCAN. On recrute des experts qui n'auront pour boulot, c'est-à-dire un directeur de la CAN 2021 qui va préparer uniquement cette compétition. Ou alors qui va préparer le CHAN et la CAN 2021. Et si on ne le fait pas, et qu'on pense que les fonctionnaires, pas qu'ils n'ont pas de compétences, mais ils ont d'autres dossiers à traiter. Et donc, ils ne vont pas laisser ces boulots au quotidien, qui sont parfois très, très stressants, pour venir gérer les dossiers de la CAN, faire des réunions, les présider, donner des orientations, visiter les chantiers, et ainsi de suite. Ce n'est pas possible. Du coup, Alan, la capacité du Cameroun à s'imposer au Grand Prix Anessa Bongo à travers le cyclisme. Le Cameroun est une grande nation de cyclisme. Le SNH Vélo Club est une référence. Et quand dans ce pays, on a connu l'histoire des Pommiers, des Kono, des Feux de Saint-Lucas et autres, donc Ngopan Simon, je crois que... Il y a beaucoup de divergences. En fait, la Fédération Cyclisme a aussi un autre problème. C'est que SNH Vélo Club est une autre fédération dans la fédération. Et qui ne fonctionne pas toujours comme parfois on arrive à calmer les tensions, mais je crois qu'il y a un gros problème là-bas et parfois c'est ça qui fait des autres. Mais on a de très bons cyclistes. Pascal Siakam, Camerounais en NBA, le meilleur championnat de basketball au monde. D'ailleurs, la première manche des finales, c'est cette nuit, je crois, à 2h du matin. Nous sommes jeudi, oui, dans la nuit jeudi à vendredi. On a un Camerounais qui... Joël Embiid était attendu. On a longtemps espéré que Mba Moute arrive à ce stade, ça ne s'est pas fait. Joël Embiid était attendu avec beaucoup de blessures et finalement c'est Pascal Siakam. Mais M. Dipita, logiquement, tout le Cameroun devait s'arrêter pour applaudir Monsieur Siakam. C'est une performance hors du commun. Joël Embiid est la pépite, le talent pur, tout le monde. Mais là, qu'il arrive, Siakam, personne ne l'attendait, il arrive, waouh, tout le monde dit, mais enfin on a... Le problème, c'est que quand on a fini d'applaudir Siakam, quand on a fini d'applaudir Embiid, qu'est-ce qui nous reste alors du basket? On n'est même pas sûr qu'ils viendront à l'afro-basket ou dans les compétitions, parce qu'il y a des assurances à payer, c'est compliqué, et ainsi de suite. Donc, en réalité, il ne nous reste que cette fierté de les voir évoluer à NBA, et c'est tout. Martin, ça c'est la dernière question. De façon générale, qu'est-ce qu'il faut au sport camerounais pour qu'il soit quand même à la hauteur? Je veux dire qu'on a quand même un palmarès, hein, que ce soit en handball, en volleyball, peut-être moins en basketball, en football, en boxe. Je veux dire que des disciplines individuelles, collectives, le Cameroun a réussi à faire parler de lui. Mais aujourd'hui, on a l'impression que le mouvement olympique, le mouvement sportif camerounais traîne le pas à remonter la pente. Qu'est-ce qu'il faut à notre sport? Il faut des hommes, il faut des bâtisseurs. Lorsque, après la catastrophe de la CAN de 1972, M. Aïdjo avait confié les rênes du sport à un jeune Toyen Bok, M. Toyen Bok a pris ses responsabilités. Il a estimé que la catastrophe était tellement intense que les Camerounais, il fallait
donner autre chose aux Camerounais pour recréer quelque chose de fort. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis l'équipe nationale en veilleuse. Vous allez remarquer que dans le palmarès du Cameroun, de 1972, quasiment en 1980, il n'y avait rien. Qu'est-ce qu'on fait? Il a mis en avant les clubs qui gagnaient, le Canon qui gagnait, Union qui gagnait, Tonnerre qui gagnait. Et il a fait sortir un texte. Les clubs engagés en compétition nationale ont un statut d'équipe nationale. Qu'est-ce qu'on faisait lorsque le Canon allait jouer? On faisait la sélection des bons joueurs. Les Léa Youmalé renforçaient le Canon. Quand Union allait jouer, on faisait la même chose, ainsi de suite. On tournait comme ça. Parce que, et quand il a réussi à recréer ce sentiment à travers les clubs, vous voyez très bien que on a eu des résultats parce qu'on est revenu fort en 80 et en 82. Et qu'est-ce que monsieur Toyin Bok a fait? Il a dit, il faut trouver un nom à l'équipe du Cameroun. Il a fait un concours national. Peut-être qu'il avait même bien le nom. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai eu à discuter avec le père un jour à l'occasion des états généraux de football. D'ailleurs, je lui dis bonsoir. Toyin Bok Félix, il m'avait dit que personne n'avait proposé Lyon indomptable. De toutes les propositions qu'on a eu reçues du nord au sud, de l'est à l'ouest, il n'y avait personne qui avait proposé. Mais je crois que l'objectif était de faire participer le maximum de personnes. Par exemple, on est en train d'aller faire une CAN. Pourquoi on doit faire le concours de mascotte et de chant dans les chambres de ministres? Il faut lancer des concours qui suscitent l'adhésion et on va retenir même 4-5 chansons qui vont animer toute la CAN. Mais si on le fait dans les chambres, il est évident que des chansons vont passer inaperçues. Monsieur le député, je vous demande quelle est la chanson de la CAN de 2016 qui avait été magistralement chantée par la charmante Charlotte Dipena. Vous n'allez même pas faire un refrain. Martin, merci. Merci, député. On pourra en faire le refrain pour sortir. Non, mais justement, je n'en sais rien. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Ce soir, on a évidemment choisi de vous accompagner quand même dans ce projet qui était un peu le prétexte de cette émission. Oui, et j'attends tout le monde au Yellow Care à partir du 1er juin jusqu'au 21. Merci encore aux employés de MTN Cameroun. Et un train pouvant cacher un autre. Merci pour l'analyse et la lecture que vous avez réussi à faire pour... d'ailleurs, c'est votre tous les jours, si je peux le dire ainsi. Absolument. La lecture et l'analyse du football camerounais dans son ensemble. Merci à vous et merci à tout le monde. Bonsoir, madame, messieurs, nous sommes avec Martin Kamimi, journaliste, promoteur de Radio Sport Info. J'ai pas dit quoi, et désormais, il va contribuer à l'encadrement des jeunes qui, évidemment, au quotidien, essayent de se battre parce qu'ils sont de mobilité réduite. On va tous l'accompagner dans ce projet-là. On espère que vous allez nous y rejoindre pour que cela se fasse. Bonsoir et à jeudi prochain pour une autre édition d'Entretien avec. Merci. Je suis né comme tous les enfants, mais à l'âge d'un an et demi, j'ai été déclaré mort, frappé par une violente poliomyélite. Depuis lors, j'ai marché dans les ténèbres de la souffrance avec la lumière de mon courage, de ma volonté et de mon abnégation. Aujourd'hui, à 46 ans sonnés, j'ai touché tous les sommets de mon métier, le journalisme. Et je suis devenu pour certains un patron, pour d'autres un mentor et pour d'autres encore un modèle. Parce que disait Jean-Paul Sartre, l'essentiel n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous avons fait de ce qu'on a fait de nous. Je suis Martin Kamimi, je suis ce que vous avez fait de moi, je suis le produit de vos mains tendues, de vos sourires et de vos encouragements. Le temps est venu pour moi aussi de tendre la main à ceux qui sont dans les ténèbres de la souffrance, à ceux qui sont dans le besoin. Je rêvais de construire un centre de formation pour les personnes défavorisées et leur apprendre un métier. Les employés de MTN Cameroun ont décidé de m'accompagner dans la réalisation de ce rêve. Rejoignez-moi, rejoignez-nous. Ensemble, tendons la main aux personnes défavorisées et redonnons-leur le sourire.